Pourquoi je lui ai rien demandé? Ah, je peux pas. Je peux pas appeler ma monture. Quoi, invasion? Mais invasion, c'est un méchant, c'est un gentil, c'est... C'est un joueur? C'est un joueur, ça? Là, je vais mourir, c'est ça? C'est chiant? Non, j'ai pas envie. Mais putain de ta mère, c'est quoi cette merde? Ah oui, il est là. Et... Comment ça marche? Bonjour Balgor. J'ai bien vu ton nom. Là, je suis en plein esquive. Ok. Quoi? Mais... Et d'où il vient? Pourquoi il vient? Je comprends pas. Je comprends rien à ce jeu, je crois. Tiens, prends ça dans ton dos! Fla, fla, fla. C'est mon broyo! Vas-y! Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? On est deux là! Bonjour Balgor, bonjour, bienvenue sur ce live. Réduvia. C'est quoi Réduvia? Ah ok, j'ai volé ses affaires donc il est fâché. Les ennemis avec les longs, j'ai du mal hein. Il crache de l'acide. Tiens. Il a beaucoup de vie, hein. Ah, c'est lui, Pat. Il se rend, mais c'est pas vrai. Ennemi battu. Rune dorée. Implorer le pardon. C'est marrant, ça. Et du coup, bah, salut. Ah, mais ça alors, vous êtes un sans-éclat tout comme moi. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Je vous ai pris pour un semi-humain ou quelque chose du genre. Une erreur bien innocente. Ben, c'est du passé, maintenant nous sommes rabibochés, et que diriez-vous d'être amis? Ouais, super, soyons amis. Un homme de raison, voilà ce qui me plaît chez vous. Moi c'est Pat, Pat l'affranchi. Ah, Pat! Un sans-éclat comme moi. Mais surtout, esprit libre, un nomade même. Certes, dans l'immédiat, je dépends de ces bandits qui étaient autrefois soldats pour me nourrir. Mais pour tout vous dire, cette vie de pierre m'afflige énormément. Je suis sincèrement prêt à revenir dans le droit chemin, peut-être même à ouvrir un commerce honnête. Alors passe me voir. Ok, d'accord. Et là, je peux lui voler ses affaires ou pas? Ah non, merde. Ah non. Eh bien alors, j'aurais dû m'en douter, misérable voleur. Vengeance! Non! J'aurais dû le voir, le coffre était rempli de poussière. Ah! Wow. Pardon, mais... Un ours géant? Ah, je peux pas me TP. Je dois revenir. Bah, je reviens alors. Ah oui. Ah oui, c'est une forêt remplie. Ah! Il m'a oublié. Il m'a oublié, hein. Il est pas sûr de m'avoir vu. Si! Ah! Ah!
Wow! Et ça va vite! Bon, il a dit que sa forteresse était au sud des bois Machambrolles. C'est d'office là où se situent tous les ours de la Muerte, la Muerte Peluda. Ce qui veut dire, il me semble, la mort velue. La Muerte Peluda. Ah! Et ça, c'est des bandits pour eux. J'aurais plutôt dit des orques. Mais à l'aise, Blaise. Ah, lui, il va crier, lui. Elle. Une épée droite seigneuriale. Ouille! Attends, c'est quoi ce truc? Lui, il a un espadon, donc déjà, il rigole beaucoup, beaucoup moins que les autres. Mais... C'est quoi ça? Graine dorée, ouais. C'est pour avoir une fiole supplémentaire, hein. C'est ça. Ah, j'ai peur, là. Aïe, 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 aïe. Oui, j'ai vu la lueur violette. Merci pour le tip. Ah, il tourne trois fois son gourdin. Et puis il donne un coup de poing. Tout va bien. Potion. Et hop, celui-là je me suis pris. Et le coup de boule. Là, j'avais pas vu venir. Pierre de sanctuaire. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pierre de sanctuaire. J'ai plus qu'une popo, donc ça s'annonce très très mal. J'ai deux popos. Ah oui, j'en ai rempli une. Avec la mort et la souffrance de mes adversaires. Oh ah, mais tu mets une plombe à te lever, gars, ça va pas bien se passer pour toi. Oui. Ah oui, non. Ah oui, il a le saignement. Il a le saignement. Lui. Hop. J'aimerais bien. Putain, c'était haut. J'aimerais bien le combattre ici, là où il y a plus de place. Là. Voilà, ici. Ici, je me sens plus à l'aise. Donc, je vais pas y arriver. Hein. Oui, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Maintenant, je peux visiter son antre. Il y est plus. Le lâche. Le lâche. Ah. Pas de téléportation, pas de téléportation. Oh, le médaillon de Dectus. Et j'imagine que l'autre bout du médaillon est sur le boss. Il est toujours là. Et lui, il est mort de fatigue. Il allait par ici la dernière fois que je l'ai vu. Il est où? C'est quoi ça? Ah, c'est lui. C'est lui. Bah oui, mais là, il l'a cherché quand même. Qu'est-ce qu'il fout là? Il va me tuer quand même. Il va me tuer quand même. Wow! Il m'a balancé du sang! Je vais finir comme ça, mais c'est un peu honteux. Hein. Voilà. Tac. Cendre de guerre, entaille sanglante. Ah, c'est ça qu'il me faut, non? C'est ça que je dois jouer. En jouant double cimetière.
Ok, Roger. Roger, on y va, hein. Let's go! Non, non, attends, c'est ça que je dois faire. Paf! Entravé au sol, mon gars! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mourir. Ah, on peut l'utiliser plein de fois. Ah là, je lui ai mis du sang. Deuxième phase. Aïe. Très aïe. Et là? Ok, t'as rien fait. La tornade de l'enfer, d'accord. Et mon Roger le sorcier, il se fait défoncer, hein. Vas-y Roger, vas-y Roger. On le pousse, on le pousse. Allez, putain d'arbre. Oui. Putain, enfin là. T'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Toi, que cette pitoyable flamme consume, va dans la crainte de la nuit. Je suis un peu deg, parce que honnêtement, j'ai fait quelques combats contre lui où je trouve que j'esquivais vraiment pas mal. Et là, sur celui-ci, j'ai rien dû faire, quoi. C'était même limite trop facile. Je comprends pas ce qui s'est passé, là. Juste que Roger a bien géré cette fois-ci, en fait. Oh là là, non, je l'avais pas vu. Oh! Allez, on mâche, on mâche. Alors, ah! D'accord. Donc là, c'était la mort. Voilà. Ah, il y a une porte là. Aveugle. Le type est aveugle. Ah! Cutscene, porte se ferme, boss. Oh shit. Oh shit. Donc c'est la mort. Je ne peux pas prendre ma potion. Je ne peux pas prendre ma potion. Je ne peux pas prendre ma potion, quoi. Putain. Quel enfer. Mais d'où tu m'as vu, connard ? Putain, mais le gangbang ! Putain, mais ça rase le jeu ! Regarde-moi ce putain de gangbang ! Putain, quoi! Oh l'enfer! Putain, on se fait chier, c'est pas possible! Alors, ici. On passe par derrière, en slide, ça c'est un coup gratuit. Donc là, voilà, je le cible. Je le chlasse. Et là, c'est plus ciblé. Ah, le ciblage part quand on chlasse par derrière. Il a beaucoup de coups imbloquables.
toujours m'enfuir, mais j'arrive pas à voir la porte. Allez, là. Il sort ou pas? J'aimerais bien voir ce que je fais, en fait. Merde. Changer mes armes. Ah! Oh! Mais vas-y, mais... Aveugle. Il est aveugle. Ouh! La clé, d'accord. Je peux ouvrir la porte maintenant. Ah! Lui, il est pas commode. C'est un autre mini-boss. Il va être aussi fort que l'autre. Oh là là. Putain, mais je l'ai pas touché. Ah! Ah! Mais sa mère l'hippopète! Ah! Il me suit! Oh, il est derrière moi. C'est bon, je peux visiter son antre. Je vais récupérer ça. Voilà ce que j'en pense de toi, mini-boss.